Le Pen a rencontré l'électrice de Femmes Actuelles dans son QG du 8e arrondissement de Paris. La candidate du Front National est revenue sur une des mesures proposées par Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, le versement des allocations familiales dès le premier enfant. Alors je suis embêtée parce que je suis favorable à cette mesure, mais le problème c'est que ça coûte une petite fortune et que pour l'instant, moi je ne veux pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir. Mais ils ont raison sur le principe. Ils ont raison parce que c'est le premier enfant qui coûte le plus cher. Moi, je ne l'ai pas mis dans mon projet parce que je pense que ça nécessite quand même une étude un peu plus poussée. Mais l'idée de verser une allocation dès le premier enfant, quitte à ce que celui pour le deuxième ou le troisième soit moins importante, moi, ça ne me choque pas parce que je sais qu'effectivement, encore une fois, le premier, c'est un peu compliqué. Moi, je suis pour l'universalité des allocations familiales. Voilà, je pense que c'est une des choses qui ne doit pas être liée aux revenus. Oui, moi je rétablirai les allocations familiales telles qu'elles existaient avant cette modification.